Monsieur Malek, je dois vous dire que je suis pas du tout d'accord avec vous. Souviens-toi que je ne supporte aucune discussion. Quand je donne un ordre, on obéit. Je serai à Richmond dans 2 semaines. Dépêche-toi d'aller à Tucan le plus tôt possible. Ok, j'y vais. Tâche d'éviter les ennuis. Et de faire marcher ta cervelle si tu peux. En haut de Paul! Attends voir, un jour ça finira mal. Ce sera ton tour et tu paieras pour tout, Malek. D'abord aller voir Mac. Toi, pendant ce temps-là, va te reposer un peu. Je viendrai te rejoindre le plus tôt possible. Laisse-moi venir avec toi, Clayton, je t'en prie. Non, tu es trop fatigué pour faire les quelques milles qui restent. Ce sera comme tu veux. Ok. À tout de suite. Pas le moment de penser à ça. Ce soir, c'est...
C'est toi, Clayton? Pas besoin d'avoir peur. Nous sommes des amis. À ça. Pas avec moi. Compris, Mac? Tu parles et tu mastiques, ça te fait une autre voix. Et moi, je tire vite. Clayton! Qu'est-ce que tu viens faire par ici, hein? Pour sûr que c'est une bonne surprise. Et quel bon vent t'amène, raconte, mon gars. Ah, tu le sais bien ce que je veux, Mac. Quand j'ai une idée en tête, je ne pense plus qu'à ça. Et t'en as de l'argent? Ouais. 4 000 $. Des confédérés? Ce sont aussi des dollars, non? Des dollars, oui. Mais des dollars sudistes qui ne valent plus rien. D'ici peu, avec tes 4 000 $, tu pourras même plus te payer une pinte de bière. Assieds-toi, Clayton. Tout ça, c'est à cause de cette sale guerre qu'on est en train de perdre. T'as mis du temps à les économiser, hein? C'est 4 000 $. Trois ans, Mac. À conduire des convois et des bestiaux de Liebrande à Houston. Sais-tu que ça fait 18 heures de cheval par jour pendant 3 ans et en plein territoire Apache? Au moins, t'as voulu entraîner. Je veux cette terre, Mac. Je suis d'accord. Mais avec ces dollars-là, il n'y a rien à faire. Tu dois te débrouiller, vieux. Il y a moyen pendant quelques semaines encore de l'échanger au Mexique pour un bon prix, en pesos ou en dollars de l'Union. Je peux attendre. J'ai confiance en toi. T'es un malin, non? Thank you.
Mercedes. Tous les noirs de nos plantations pour les embaucher fort dans leurs usines. On sait que ce sont des malins, les nordistes. Et tout ça à cause des noirs. Mais après, tout le monde sera dans le monde. Même les nordistes. Dis-moi, John, tu sais où est le shérif? Ah, il m'en doit plus que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Mercedes, je viens de la trouver morte, assassinée. Faudrait à boire. Et moi aussi, je veux boire. Tais-toi une minute, on a tué sa sœur. Mais je m'en fous de sa sœur. Moi, je dois pas boire à cause de sa sœur. M'en fous, j'ai soif. Il est mort. Légitime défense. C'est celui-là qui a tiré son revolver le premier. Tu n'as rien à te reprocher. Je t'en prie, Clayton. Je ne veux pas de complications dans mon saloon. Tu dois savoir que Logan était le frère du shérif. Tâche de comprendre. Je ne veux pas d'ennui. T'as jamais vu ça? C'est à Jack. À Jack Blood, un homme de Malek. Il est venu tout à l'heure pour prendre un verre. Il était avec son copain Harry. Alors, tu aurais trouvé cette blague à tabac à côté du cadavre de la... de cette fille. Oui. Assez! Je ne suis pas un imbécile. Par qui et pourquoi cette poule a été massacrée, je le saurai plus tard. La seule chose qui compte, c'est que c'est toi qui as assassiné mon frère. Et je te jure que tu entreras au cimetière avant lui. Ça suffit. Clayton, ta dernière heure est arrivée. Je dirais que t'as tenté de fuir. Et qu'à cause de ça, j'étais obligé de t'abattre. Ne bouge plus, shérif. Entre là-dedans. Mon frère était ivre. Et il allait me tirer dessus. Il faut que je retrouve Jack Blood. C'est lui l'assassin. Car son crime est signé. Thank you.
plaisir de te voir. Comme toujours en forme, Jack. Oh. Pour toi, le temps ne compte pas. Hé, hey Jack, comment ça va, vieux? Salut. Salut, Harry. Ça ira mieux quand j'aurai trouvé Alan. Dites, vous savez où il est? Il s'est fourré dans les ennuis, il est resté à Bridgeport. Il a eu une discussion avec le chef. Ah, mais comme il était à court d'arguments, oui, il a coupé le ciblo au shérif avec une dalle bien placée. Hey, j'ai soif, qu'est-ce qu'il y a à boire? On a que de la flotte. Il faudra t'en contenter. C'est pas que l'eau, ça rend mauvais. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Jack? Hein? Il faut qu'on attende Alan. Je vous expliquerai ça quand on sera... Oh, en ça va bien. Faut le comprendre, il a presque plus de force. Ce matin, il s'est trop fatigué à Juarez. Ferme ta gueule, Harry. Il s'est amusé avec une de ses filles. Ça t'amuse bien de les entendre crier. Écoutez-vous, hein, on vient au bon vieux temps et vous connaissez tous la règle du jeu. Souvenez-vous que c'est moi qui commande. Quelqu'un a une objection? Pâche pas, Jacques. On le sait que c'est toi le patron. Salut, les gars. Vous en faites une tête. Encore une plaisanterie à sa façon. Allez, rentre, Alan. Alors, Berger, t'as encore déserté? Et cette fois-là, pour qui tu te battais, hein? J'étais avec Sheridan, mais ça ne me plaisait pas. Maintenant que l'orchestre est au complet, fais-nous écouter ta musique. On va voir de quoi il s'agit. $100,000. Et des dollars nordistes. Divisé en part égale, ça fait juste 20 000 pour chacun de nous. Ça vous intéresse? Ah, moi, je marche. Et qu'est-ce qu'on aura à faire avant de toucher le magot? Pour 20 000 dollars, je ferai n'importe quoi. Je suis prêt à tout. Chut! Explique-toi. C'est très simple, les gars. Deux grosses légumes ont un rendez-vous important. Nous, on est payé par quelqu'un qui veut profiter de ça pour supprimer les deux types en question. Et ce quelqu'un est prêt à donner $100,000. C'est tout? Eh ben, ça doit être deux bons hommes qui valent cher. Tu parles $50,000 chacun? On a peu de temps devant nous pour se préparer. Ça doit avoir lieu dans quelques jours. On aura notre base à Tucan, dans la maison de Malek. C'est un travail très important. De très grands personnages à supprimer. Glory, glory, alléluia! Glory, glory, alléluia! Glory, glory, alléluia! But his soul is marching on. John Brown's body is mouldering in the grave. John Brown's body is mouldering in the grave. John Brown's body is mouldering in the grave. But his soul is marching in. Glory, glory, alléluia! Position de tir. Glory, glory, alléluia. Bonjour. Hey! Lieutenant. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Un gars qui veut passer. Ah. Voyons ça. Voilà son sauf-conduit. T'es un cow-boy du Texas? Oui. Ça va, tu peux continuer ta route. Et fais attention, il y a des nordistes un peu plus loin. Et eux, ils sont pas toujours de bonne humeur. Merci, lieutenant. Au fait, vous pourriez peut-être me rendre un service. On n'avait pas vu aujourd'hui deux hommes. Il y en a un qui a un chapeau mexicain. Pourquoi les cherches-tu? Ce sont des assassins. T'as un sauf-conduit en règle. Tu dois savoir ce que tu fais. Garrett! Maintenant? T'aurais pas vu par hasard deux hommes passer par ici, il n'y a pas très longtemps? Oui, il y en a deux qui ont pris la route de Richmond. Il y en avait même un qui avait une drôle d'allure. Avec sombrero et col de fourrure? Oui, c'est ça. Mm-hmm. Merci, lieutenant. Mmh.
Combien as-tu investi en ce moment dans les explosifs, munitions et autres matériels de guerre? Bon, difficile à dire. Pas d'histoire, la vérité. Bon, environ 30 000 fusils Springfield avec 2 millions de cartouches. Quelque chose comme 200 canons rayés Schneider. Et puis des uniformes, du matériel de campagne, des tentes, des brodequins, des couvertures. T'es dans le coup pour au moins $1 million, pas vrai? Lis ça. Le général Hardy s'est retiré de Savannah après un accord avec les nordistes. Sur le front de Virginie, le commandement parle d'armistices locaux. Et Lincoln serait disposé à accepter un cessez-le-feu général. Tu te rends compte ce que cela représente pour nous? Mais c'est une catastrophe. Si les sudistes et les nordistes font la paix, je vais perdre tout ce que j'ai investi dans les fournitures de guerre. Tu veux dire que nous perdrons ce que nous avons investi tous les deux? Cette guerre représente notre gagne-pain. Ne l'oublie pas. Si les confédérés et les nordistes trouvent le moyen de s'entendre, nous serons tous les deux fichus, ruinés. Mais c'est terrible. Il faut donc que Yankees et sudistes continuent cette guerre jusqu'à ce que nous ayons tout liquidé. Tout, jusqu'à la dernière cartouche. Mais nous ne pouvons pas faire ça, voyons. Nous risquerions trop. J'ai déjà tout arrangé. Duke. Viens à table. Jack Blood et ses hommes arriveront demain matin à l'aube.
Bouge surtout pas. Il t'arrivera rien. Si tu es bien sage. Qui es-tu? Écoute bien. Aide-moi à me cacher. Il y a encore trop de monde dehors. Patiente un moment. Entre. Marisol, prépare quelque chose pour cet homme. Marisol, elle a toujours peur de tout le monde. Viens, ils viendront pas te chercher ici. Allons, n'aie pas peur. Tu les entends? Ils se saoulent comme ça tous les soirs. Et ça peut durer toute la nuit. Dis, tu serais pas par hasard un déserteur? Non. À ton allure, on ne le dirait pas. Tu peux dire que t'as de la chance, toi. En général, quand Malek vient en visite au ranch, il se sert de nous pour réchauffer les lits. Qui est ce Malek? Malek? C'est le patron, un point, c'est tout. Habituellement, il vit à Richmond. Ici, nous dépendons de Steve et des deux frères Ross. Ils sont là qui rigolent. Pendant des années, il y a eu des Noirs. Pour la culture du tabac et du maïs. Ils ont presque tous fichu le camp. D'autres ont suivi les soldats. Et vous deux? On fait la cuisine, on fait le ménage, et on prend bien soin des invités. Il est très hospitalier, Malek, et avec tous ses amis. Tu comprends? Tu connaîtrais pas un certain Jack Blood? Il porte toujours un sombrero. Si. C'est un tueur au service du patron. De temps à autre, il vient par ici. Pourquoi? Vous auriez pu tenter de fuir. Et où ça? Malek finirait par nous retrouver. Marisol, une fois, a essayé de passer la frontière. Fais-lui voir. Elle en est devenue presque folle. Écoute. Pourquoi que tu vas pas les tuer? Hein? Attends. Regarde, j'ai 80 dollars. Quelquefois, quand ils ne sont pas de trop mauvaise humeur, au lieu de nous donner des coups de fouet, ils nous donnent de l'argent. C'est à toi. Si t'acceptes de les tuer. Et si tu veux de moi, tu peux me prendre aussi. Désolé, j'ai d'autres soucis en ce moment. Quoi, je te plais pas sans doute? Monsieur Malek devra attendre. Chaque chose en son temps. Une autre affaire m'appelle d'urgence. Mais je reviendrai. Au revoir. Et merci. Dieu te protège, amigo.
000 comme à compte. Et où est prévu le rendez-vous? Après le village de Omaka, dans une maison abandonnée. C'est le No Man's Land, fréquenté seulement par quelques patrouilles de temps en temps. Et ce sera pour quand? Dans la journée du samedi, le 4 avril. Il te reste 2 jours seulement. Ben, c'est pas beaucoup. C'est vrai, mais n'oublie pas que je te paye 100 000 $. Et qui devons-nous assassiner? 2 généraux, un nordiste et un sudiste, qui se rencontreront pour discuter des conditions d'un armistice. Vous avez dit 2 généraux? Ouais. Allez, à table, caramba! D'ivoire, Marisol! Qu'est-ce qu'il y a de bon? Elle est pas en forme, la petite. D'ivoire, ils sont bien joyeux, les gars, aujourd'hui. Avec les 2 pouliches, ils se prennent du bon temps. D'ailleurs, elles sont pas mal, ces 2 petites-là. Laisse donc les filles tranquilles, cette fois, Jacques. Avec 20 000 $, tu pourras en avoir autant que tu voudras, à Durango, à El Paso ou ailleurs, si tu préfères. Pense plutôt à ton travail. D'accord. Quand vos 2 généraux seront ensemble, ils auront une conférence plutôt animée. Vous avez la parole de Jack Blood. La vue des uniformes m'a toujours énervé. Et voilà. Et attends. Un peu de patience. Un peu de patience. Arrêtez. Mon revolver peut partir tout seul quand on bat une femme. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré? Moi. Mon revolver. Et il tire vite et bien. Qui es-tu? Mon nom est Clayton. Je suis venu ici voir Aloma. Et dis-nous pourquoi tu veux la voir. Tais-toi, Steve. Tâche de me répondre, Clayton. Que viens-tu faire? J'ai escorté 100 chevaux du Mexique à Richmond. Une remonte pour l'armée confédérée. Et j'en ai profité pour venir voir Aloma. Tu connais cet homme? Depuis mon enfance. Oui, elle m'a parlé bien souvent de lui.
Encore hier soir, elle disait que... Ça suffit. À la cuisine, en vitesse. Alors, tu sers la cause sudiste. Bravo. Puisque tu aides notre vaillante armée, tu es le bienvenu chez moi. Va manger et va prendre un peu de repos. Mais ne sors plus ton pistolet à tout bout de champ. Il y a assez de morts comme ça avec la guerre, je n'ai pas envie de perdre des serviteurs dévoués. Et où vas-tu maintenant? Je ne voudrais pas déranger. Fais donc pas de façon. Robert, Franck, accompagnez-le à la cuisine. Alomat servira quelque chose à manger. Ce gars-là, je crois que... Pardon. Ah. Rien. J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. T'inquiète pas et t'occupe pas de ça. T'as pas de temps à perdre. Dépêche-toi, file. Ah. Allons-y, les gars. Occupe-toi tout de suite de ce casse-pied, Steve. Ouais. Tu dois m'en débarrasser le plancher, de n'importe quelle manière. Mais surtout, sois prudent. Souviens-toi que la moindre erreur peut compromettre notre affaire. Vous pouvez compter sur moi. Dépêchez-vous! Et dire que j'ai jamais été soldat. Jake, le képi, faut le mettre aussi. Tu le sais bien, imbécile. Hé, chef, je mets ça? Non, ça te va pas, les étoiles de lieutenant. À vos ordres, mon général. Laissez-moi passer. C'est juste à ma taille. Attention qu'on voit pas les trous. Le tissu est assez solide. Tant mieux. Tiens, c'est de la tequila additionnée avec de l'eau. Merci. Tu reviendras, Clayton? Oui, si j'ai l'occasion de repasser par ici. T'as trouvé l'homme que tu cherchais. Avoue-le. Qui te l'a dit? Je l'ai lu dans tes yeux. Quand il est sorti avec le patron dans la cour. C'est lui que tu cherchais. Adios. Thank you.
Prends-le, Robert, ce sera plus simple. Non, d'abord, je vais m'amuser avec lui. T'oublies qu'il m'a démoli la main d'un coup de pistolet, hein? Steve m'a dit de le liquider en vitesse. Fous-le dans l'eau. D'abord, une question. Je me demande qui a pu t'envoyer. Qui t'a payé pour espionner notre ranch, hein? Et où est-ce qu'il aurait appris les projets du patron? Fais-lui sauter la cervelle. C'est l'armée qui t'a envoyé espionner. Qu'est-ce que tu veux lui faire? Quelles sont les dernières nouvelles? Je crois que c'est vous qui aviez raison, patron. Les généraux Lee et Grant ont déjà eu quelques contacts secrets. Après-demain, deux officiers supérieurs de confiance doivent se rencontrer pour un nouveau contact. Il n'y a plus une minute à perdre. Jack Blood doit agir tout de suite. Jack est au Red Horn. Il se prépare le plus vite possible. Qu'est-ce que c'est que cette préparation? Je connais ça. Il s'amuse, il voit. Il a peut-être trouvé des pistes. Il a des instructions. Qu'il les suive. Pas besoin de s'arrêter en route. Les généraux doivent mourir, sinon je suis un homme ruiné. Et vous permettez de me calmer. J'ai des stocks de matériel de guerre à liquider, des fusils, des cartouches, des canons. Si la guerre s'arrête, qu'est-ce que je ferai de tout ça? Si l'attentat réussit, et dans notre intérêt, il faut absolument qu'il réussisse. Alors le Nord accusera le Sud, et le Sud accusera le Nord, et la guerre reprendra de plus belle. Tu peux comprendre ça? Oui? Bien sûr, patron. Qu'est-ce que tu fais là? Avoue-le, tu cherches à espionner, desgraciada. Qu'est-ce qu'il a entendu? Non, rien, rien du tout. Elle était derrière la porte et elle écoutait ce que vous disiez. Tu joues les espionnes, hein? Non, je vous jure, je lavais le parquet, je n'ai rien entendu. Il fallait nettoyer cette pièce. Tu t'en repartiras à Garce. Vas-y, Steve, et fais-lui payer ça. Viens, vamos. Ils veulent me tuer! Sors d'ici! Va-t'en! Espionner, hein? Dommage. Il aurait mieux valu pour toi que tu sois sourde et muette. Tu vois, beauté, nous ne pouvons pas courir de risques. Attention, il est là!
avec le patron. Les autres, à Redorn, oh, sont en train de préparer quelque chose. Un assassinat épouvantable. Ils sont prêts pour les tuer, j'ai entendu. Jacques Blood, c'est... Oh. Pourquoi? Je ne sais pas autre chose que son nom. Je ne sais pas d'où elle venait. Je ne sais rien d'elle. J'étais venu te mettre en garde. Désolé de ce qui s'est passé. Je veux savoir où tu vas. Je touche enfin au but. Je vais tuer Jack Blood. Emmène-moi avec toi. Je ne veux plus rester dans ce ranch maudit. Je connais Jack Blood. Il le hait comme toi, parce qu'il est avec eux. Laisse-moi venir avec toi. Je sais où il se cache. Il est au Red Horn. Écoute, si tu m'emmènes pas, moi je te tuerai. Ah ah. Allez, monte. Allez. L'autre soir, quand je t'ai surpris, et puis hier aussi. Je sais aussi lire dans les yeux. Je me suis trompée. Non. Pourquoi tu veux le tuer? Jack Blood. À cause d'une fille. Dans ton genre. Tu l'aimais? Quoi? Cette fille, tu l'aimais? Oui, et Jack Blood l'a tué. Mais qui était-ce? C'était ma sœur. Voilà le Red Horn. Ok. Dis, qu'est-ce que c'est que tous ces soldats? On dirait de la cavalerie sudiste. Toi, reste là. Tiens. Hein? Moi, je vais jeter un coup d'œil. La dynamite est sur le chariot, Jack. Il y en a 10 caisses. Ils entendront le boum d'ici à Baltimore.
Ça marche? C'est en ordre. Dès qu'on aura terminé le travail, il nous restera juste 10 minutes pour disparaître. Faudra que ça suffise. Bravo, et après? J'aurai toute la vie pour dépenser tranquillement mes 20 000 $. Tu crois qu'on arrivera à passer la frontière avant qu'il nous rattrape? Fais pas, on est tranquille. L'explosion va déclencher une de ces pagailles. Il faudra qu'ils se remettent de leur surprise avant qu'ils se rendent compte de ce qui arrive. Ils donneront l'alerte. Alors, chef de Richmond et de Washington, ils vont d'abord tourner en rond et ils sont pas prêts de nous mettre la corde au cou. Ouais, j'ai déjà le cou serré, Jake. Cet uniforme de malheur m'étrangle comme une corde. Dis pas de bêtises. Va plutôt chercher quelques bouteilles. On a soif. Ok. Maintenant, écoutez. Retenez bien tous les détails du plan. Il va falloir qu'on se mette en route demain matin, très tôt, avant le lever du soleil. Quand le jour se lèvera, on devra déjà être arrivé à l'endroit du rendez-vous. Ça, c'est la maison où se trouveront les deux généraux. Voilà. Sur le côté gauche se trouveront alignés les éclaireurs des troupes nordistes venues en escorte. Là. Et nous, on doit faire le boulot de l'autre côté. Sera terminé, on doit aller à notre rendez-vous, au croisement de Stony Creek, sur la route de Charleston. Et comment nous aurons l'argent? N'en faisons pas, c'est simple. On doit retrouver notre ami à 2000 de Craig House avec ses hommes. Et t'inquiète pas, il sera fidèle au rendez-vous. Et avec le fric, amigo. Déguisé en Père Noël? Une belle fête entre vous. Dommage, vous auriez pas dû m'oublier. Je vois, tu étais bien renseigné, charogne. Et t'es l'espion de qui, hein? Parle, salaud! Tu refuses de parler, hein? C'est très bien. Donnez-lui sa leçon! Qu'est-ce que tu cherchais? Hein? Faites-lui retirer la tête. Viens un peu par ici, on a une surprise pour toi. On va te fumer comme un jambon. Ils sont plus forts, mais qui sait? C'est qu'ils résistent, la vache. Tu vas voir. Allez, allez, vas-y. Pousse. Encore un peu. Tiens-le. Tu la veux dans le son, hein? Tue-le, vas-y, tue-le. T'es une belle petite flambe, tu vas pouvoir te réchauffer, salaud. Thank you.
ici. Ah, dépêche-toi. Le couteau là par terre. Ah, voilà. C'est fini. C'était la fin. Moi aussi. J'ai cru que j'y passais. Mais on n'est pas à Greg House. Oui, je le sais. Et alors quoi? Allez, descends. Descends. Attends-moi. Mais qu'est-ce que tu cherches? Hein? C'est un coin tranquille. Tu vas attendre ici. Je vais revenir. C'est pas vrai. Emmène-moi avec toi. Je ne veux pas rester toute seule. Non, tu me retarderais. Tu me reverras bien vite, mais... il faut que je trouve une arme. Ça tombe bien. J'ai une bonne arme pour toi. Attention à la fille. J'ai été rapide pour te retrouver, hein? Je te l'avais dit, Clayton. On se débarrasse pas comme ça du shérif Bill. Je t'avais promis tes funérailles avant celle de Logan et tu les auras. Une minute, shérif. L'homme que je cherche est Jack Blood. Et je n'en veux à personne d'autre. Vous pouvez me croire et vous mêlez surtout pas de ça. D'abord, je vais te voir la corde au cou, te balançant à la potence. De vous tenir comme de vrais soldats, bande de feignants. Sans ça, vous aurez affaire à moi. Attention. Vous êtes l'escorte pour Greg House? Détachement 9e régiment de cavalerie de la Louisiane. À la disposition du commandant de secteur. À vos ordres. Rapo, vous n'êtes pas nombreux. J'espérais avoir au moins un demi-escadron. Là, on s'en contentera. Greg House est un point important en ce moment. Salut, les gars. Toi, comment tu t'appelles? Berger, et toi? Peut-être une grande nouvelle. Ce sera la fin de la guerre.
vous en prie. Messieurs, immédiatement après cette réunion, le général Grant et le général Lee pourront décider de se rencontrer pour discuter des conditions de la reddition. Conditions que je suis chargé de vous communiquer. Capitaine, le mémorandum. Primo, les États rebelles du Sud groupés en confédération des États américains devront mettre bas les armes et les munitions, armements, équipages de guerre seront remis aux officiers de l'Union. Secondo, les soldats ne sont pas considérés comme prisonniers. Les officiers pourront conserver leurs armes individuelles, sabres et revolvers, et resteront responsables de l'ordre. Terzo, le commandant général de l'armée de la Confédération, enverra copie de l'acte de reddition à toutes les armées, groupes d'armées, unités diverses, qui se trouveraient encore en campagne après la dite reddition. Sixièmement, les commandants d'armée de l'Union auront toute instruction pour prendre contrôle des unités constituées des troupes confédérées. Ils seront également chargés de rassembler les éléments épars, les isoler et les blesser. Septièmement, tout le matériel de guerre sera stocké par des commissions mixtes. Par matériel de guerre s'entend, tout matériel d'armement et d'équipage, ainsi que les vaisseaux de haute mer ou embarcations fluviales. Les forts et bâtiments militaires seront remis dans l'état où ils se trouvent. Tout acte de sabotage ou de vandalisme sera réprimé par les cours martiales. Aussitôt après avoir prêté serment de ne plus combattre d'aucune manière contre les troupes de l'Union, les officiers gradés hommes de troupes de l'armée confédérée pourront regagner leur foyer. Je ne suis qualifié en aucune manière pour entamer des négociations avec vous. Je suis chargé de faire la liaison entre vous et le général Lee auquel je transmettrai. Nous attendons une réponse rapide pour fixer la date d'une rencontre avec le général Lee. Néanmoins, nous lui laissons le temps de prendre connaissance des conditions que je viens de vous exposer. En ce qui concerne cette rencontre, nous pensons que le général Lee aimerait qu'elle ait lieu non loin de son quartier général actuel. Nous devrions d'abord savoir où il se trouve, si vous pouvez le dire. En Virginie, quelque part, pas très loin de Richmond. Je peux vous dire que le désir le plus cher du président Lincoln est de voir rentrer dans l'Union le plus tôt possible les États qui en sont sortis. Général, nous apprécions cette dernière déclaration à sa juste valeur. En tant que soldat, je dois rendre hommage au courage, à la vaillance et à l'esprit de sacrifice. C'est toi, ça. En tant qu'Américain, je ne peux que regretter que tant d'abnégation ait été dépensée pour une cause perdue. Mais je veux y voir l'espérance dans des lendemains meilleurs. Oh.
Tant pis, Soleil. Allons. Donne-le-moi. Pointe-le à l'attente. Maintenant, tire. Lâche. Tire. Vous savez qu'il est déjà 10h10. Pourquoi toujours rien? Il y a longtemps qu'on aurait dû entendre l'explosion. Qu'est-ce que ça veut dire? Parle! Tu vas répondre? Oui! Pourquoi restez-vous là tous sans rien dire? Qu'est-ce qui est arrivé, hein? Ignorer ce qui est arrivé. Vous avez tort d'être aussi tranquille. Si ce Jacques n'a pas fait ce qu'il avait promis, vous ne savez pas ce qui vous attend. Jacques sera le premier à s'en repentir, parole de Malek. Et après, comptez sur moi, les gars, ce sera votre tour. J'ai la rancune tenace. Et pour commencer, vous n'aurez pas un sou, pas un dollar. On veut notre argent.
Malek! Écartez-vous! Ah! Aidé dans l'arnordiste! Ah ah! Comment t'as fait pour ramasser ça en 3 jours? Qui est-ce qui te les a fait gagner? Un coup de vent. Elle est à toi, cette ferme, Clayton. Et je suis sûr que tu vas pas t'ennuyer. Ici, tu trouveras toujours quelque chose à faire. Tu veux du café? Ah, dis donc, les nouvelles sont bonnes.
Il y a eu des contacts secrets pour parler de la fin de la guerre. Il y a eu aussi un complot pour les saboter. Dynamite trouvée sur le lieu de la conférence. Lis donc ça. J'aime pas lire, et puis ça ne m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? S'ils avaient fait sauter la dynamite, la guerre continuait. Il se passe des choses incroyables, mais toi, tu t'en fous. Toi, t'es pas fait pour la bagarre. Ce qui t'a toujours intéressé, vivre en paix tranquille sur ton lopin de terre. Clayton, oh Clayton, forget your hate. Clayton, oh Clayton, forget your pain. God only knows why man makes you mean. And he will pay who's wrong and cheat.